Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très très heureux de vous présenter cette formation que j'ai appelée l'unique formation sur Band in a Box 2018. Alors Band in a Box, on peut lui donner un petit nom, hein, c'est très courant, on l'appelle BIAB. Et alors, pourquoi je suis très heureux ? Parce que je dois dire que BIAB est un des tout premiers logiciels de MAO que j'ai utilisé il y a cela plusieurs décennies, on va dire. Dans la version 1, je me rappelle, en même temps, j'utilisais aussi Guitar Pro de chez Arrobase Music. Et c'est un logiciel qui n'a cessé de s'améliorer, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités jusqu'à obtenir là cette version 2018 qui, je dois le dire, est vraiment très très bonne. Alors, à qui se destine ce logiciel BIAB ? Eh bien, je dirais à tout le monde, plus particulièrement bien sûr aux instrumentistes, aux compositeurs, aux arrangeurs, mais on va pouvoir s'en servir eh bien pour travailler son instrument, pour se créer des grilles d'improvisation, pour créer des fichiers MIDI, pour créer des mélodies ou être inspiré de mélodies, de solos, et j'en passe, beaucoup beaucoup de choses. Alors attention, cette formation va durer plusieurs heures, donc pour l'instant il y a uniquement ce que vous voyez dans notre menu, mais je vais rajouter au fil du temps énormément de vidéos. Et bien sûr, si vous achetez maintenant la formation, eh bien, vous bénéficierez gratuitement de toutes les autres vidéos qui feront partie de cette formation. Donc n'hésitez pas à l'acheter maintenant, car vous bénéficiez vraiment de ce prix très compétitif, j'allais dire, ou très bas. Alors qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir bien sûr la prise en main, on va voir comment entrer les accords, choisir un style, jouer un morceau, puis on va parler des nouvelles fonctionnalités de cette version 2018. Il y en a plus de 50, alors je les aborderai pas toutes dans un premier temps, mais on verra les real track vidéo, on verra le nouvel assistant d'accord audio intégré, la fonction d'harmonisation audio aussi, la fenêtre piano roll, l'interface Home Machine améliorée, le mixeur amélioré, etc. etc. Ensuite, nous verrons une vidéo concernant les débutants où on va voir là également l'aperçu instantané, l'enregistrement audio, la fenêtre d'édition audio, la grande fenêtre de piano roll, comment générer des mélodies et des accords, ou garder une liste de nos styles favoris, etc. etc. Allez, c'est parti! Commençons cette formation, l'unique formation sur BIAB 2018. Regardons dans un premier temps comment entrer des accords dans BIAB 2018. Alors, il y a de nombreuses façons en fait d'entrer des accords. Regardons quelques-unes de ces façons. On va pouvoir utiliser le clavier d'ordinateur. On va pouvoir jouer directement depuis un clavier maître MIDI. On va pouvoir également utiliser la fonction de générateur d'accord. On va pouvoir également importer eh bien, des accords d'un fichier MIDI et on va enfin pouvoir ouvrir un fichier au format Band in a Box. Cette fenêtre que vous voyez ici s'appelle la fenêtre feuille d'accord. Donc on voit qu'on a des cellules numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Chaque cellule correspond à une mesure entière, donc là on a première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, etc. Et dans chaque mesure, vous voyez qu'on a deux petits carrés, donc on va avoir deux temps ici, puis les deux temps suivants. À noter que ce petit carré, ici, on peut le déplacer avec les flèches de son ordinateur, gauche et droite, et haut et bas également. Alors, pour entrer des accords, on va pouvoir utiliser le clavier de l'ordinateur. Par exemple, là, bon, il y a par défaut un Do, mais je vais avancer sur la deuxième mesure et je voudrais un La mineur. Eh bien, je vais taper A et puis petit M.
je peux faire entrer. Et quand je fais entrer, vous voyez que j'ai la cellule, la case suivante. Donc je ne veux rien là non plus ici. Et puis ici, je veux un fa, donc je vais taper F. Et puis ici, je veux un sol, je tape G. Je continue mon déplacement avec mes flèches. Et puis je veux un mi mineur 7, je tape ici. Puis un do, puis un fa, puis un sol. Donc là, vous voyez, c'est très rapide de cette façon-là pour rentrer des accords. Alors, sachez qu'on peut rentrer do, très bien. On peut rentrer do mineur. On peut rentrer do mineur 7. On peut rentrer do 7. On peut rentrer do maj 7. On peut rentrer do mineur 7 bémol 5. Par exemple, on peut rentrer do 9, on peut rentrer do 13. Maintenant que nous avons entré nos accords, on va choisir un style. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un style? Bien, c'est un ensemble de règles qui détermine comment Biab va créer la musique en utilisant nos propres accords. Alors bien sûr, ces règles, on va pouvoir les ajuster et on va pouvoir choisir parmi des centaines de styles adaptés à tout genre. Alors on va aller de la country au bebop, par exemple. On a aussi des styles jazz, blues, country, hip-hop, ballade pop, valse, rock et j'en passe. Bien entendu, si vous ne trouvez pas le style qui vous correspond totalement, on va pouvoir créer nos propres styles à partir de zéro à l'aide du Style Maker qui permettra de créer des styles personnalisés. Ça fera l'objet là aussi d'une vidéo. Pour choisir un style, c'est tout simple. On a soit l'icône ici qui est le bouton de style. Quand je clique dessus, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Soit on peut venir cliquer sur le petit triangle vers le bas, et là on a le choix parmi différentes possibilités également. Je vais choisir le style picker, c'est donc cette fenêtre. Nous allons maintenant pouvoir jouer notre morceau. On a rentré nos accords pour une grille d'accords. On a choisi notre style. Maintenant, on peut écouter le morceau, mais avant, on va indiquer à Biab 2018, eh bien, par exemple, la longueur du morceau et puis combien de fois il doit répéter les accords et dans quelle tonalité il doit les jouer et également à quel tempo, à quelle vitesse. Pour indiquer à Biab le début et la fin d'un morceau, eh bien, ça se passe ici, en haut. Donc, on a le bouton de début, première mesure, et le bouton de fin, 32e mesure. Et effectivement, sur ma feuille d'accord, je vois bien ici. Sauf que moi, je veux que 8 mesures. Eh bien, tout simplement, je vais venir cliquer ici, et je rentre 8 mesures. Et là, vous voyez, je n'ai plus que 8 mesures à mon morceau plus la fin générée. Maintenant, vous voyez que ma grille ici de 8 mesures sera. Parlons maintenant des nouvelles fonctions de Band in a Box 2018. Alors, comme je vous le disais en intro, il y en a plus de 50 et je vais commencer par les plus importantes, on va dire. La première, c'est les fameuses Real Track vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon Style Picker. Ici, on va aller dans Autres. On va aller ici dans Afficher les styles avec ou sans Real Track vidéo. Et on va choisir Afficher tous les styles avec au moins une Real Track vidéo. Je vais cliquer sur Nom pour avoir mes styles. Voyez, par ordre alphabétique. Et je peux choisir ce style-là. Je peux double-cliquer.
Et ce que l'on voit en bas ici, eh bien, c'est que pour ma pedal steel guitare, eh bien, j'ai, voyez, vidéo ici. Pour ma basse, également vidéo. Pour ma pedal steel vidéo également. Donc cela m'indique que j'ai trois reels vidéo track. Trois reels track vidéo, pedal steel piano, pedal steel guitare et basse. Je vais maintenant par exemple cliquer sur Bulldogs. Et là, eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 reel track vidéo. Ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur morceau démo. Et je clique sur OK. Je vais maintenant appuyer sur Play et régénérer les tracks. Pour maintenant voir les reel track vidéo, j'ai plusieurs possibilités. Je peux aller dans Vue ici et cliquer sur Vidéo et j'ai rendu vidéo. Je peux également ouvrir le mixeur qui est une fenêtre flottante et également cliquer droit et faire rendu vidéo. Donc là, j'ai cette fenêtre générer vidéo avec la disposition vidéo. Alors, je peux avoir plein de dispositions différentes. Un simple, je peux avoir empilage vertical, empilage horizontal hein, de deux fenêtres, trois fenêtres d'empilage vertical, une en dessus, deux au-dessus, une en dessous, une à gauche, une à droite, ici, etc., etc. Donc pour l'instant, je vais choisir simple et je voudrais eh bien ma pedal steel guitare ici. Donc ce que je vais faire, je la choisis et je viens la déposer ici. Je peux choisir l'ajustement. Pour l'instant, je vous conseille de laisser au meilleur ajustement à 100%. Et maintenant... Autre grosse nouveauté de Biap 2018, c'est l'assistant audio d'accord intégré. Avant, c'était, je dirais, dans une autre application. Là, maintenant, c'est complètement intégré à Biap 2018. Alors, l'intérêt, eh bien, il est à plusieurs niveaux, mais le principal, si vous voulez, c'est de charger une musique que vous aimez bien en format WAV ou MP3. Et Bandinobox 2018 eh bien, va analyser, interpréter et vous sortir eh bien, les accords de ce morceau. Ce que l'on va faire, on va aller dans Fichier, Importer, et on va choisir Importer audio. Ici. Vous allez vous rendre dans votre dossier Bandinobox. Je vais les remettre comme ceci. On va aller dans Tutorials. Dans Tutorials 2018 et vous voyez qu'on a la track au Shenandoah Pop Rock Mix en point M4A. Donc je vais charger ce fichier. Donc là dans la fenêtre vous ne touchez à rien et vous faites OK. La track est chargée. Vous voyez qu'ici on est en audio et on va aller dans Vue et on va cliquer sur Édition audio. Donc là, j'ai ma track, je peux la lancer. Alors ce que je vais faire un clic droit pour la mettre en solo et je vais la lancer. I long to see you. Well,
Voilà, donc j'ai dézoomé avec le moins ici, avec le plus on peut zoomer, et vous voyez qu'on a tout un tas de fonctions qui est apparu en cliquant sur édition audio. Ce que je vais faire, je vais fermer l'édition audio pour l'instant, et vous voyez qu'ici j'ai un style. Donc ce que je vais faire un clic droit, et je vais décocher style disponible. Donc là, je n'ai plus de style. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est synchroniser ma grille au morceau. Donc je vais retourner dans l'édition audio. Et on va pouvoir créer des marqueurs. Et alors je vais rezoomer un petit peu. Effectivement, si j'écoute le morceau, un, deuxième mesure, troisième, quatrième. Donc je vais pouvoir déterminer où se trouvent, où tombent mes accords. Pour ce faire, ici dans mode marqueur aucun, je vais aller dans l'assistant d'accords audio. Et là, vous voyez qu'on peut ajouter mesure. Donc encore une fois, si je refais la lecture, je vois que mon accord tombe ici. Donc je vais placer avec ma souris cette ligne rouge et je vais faire ajouter mesure. Donc là, vous voyez que j'ai maintenant une barre violette. C'est-à-dire, si je déplace mon curseur ici, vous voyez que je vois mon premier marqueur ici. Et bien effectivement, ma deuxième mesure va tomber ici. Donc je peux ajouter un deuxième marqueur. Je continue. Deux, trois, quatre. Voilà, j'en ai également une ici de mesure. Donc ça, on peut le faire manuellement comme je le fais là, ou on peut le faire aussi en lecture, hein, laisser tourner la lecture, à chaque fois appuyer sur ajouter mesure. Mais là, j'en ai créé trois, ça va être suffisant pour dire à BIAP 2018 eh bien, de continuer son marquage de façon automatique. Donc je clique ici, marquage auto. Alors... Parlons maintenant de l'harmonisation audio et je vais vous donner un exemple. Alors tout d'abord, on va aller charger ce style. Donc vous tapez sax et puis ici dans catégorie, vous choisissez tout pop et on va prendre ce style-là, Funk Sax. Donc vous cliquez sur Morceau démo et vous faites OK. On peut l'écouter. Très bien, donc on a un sax. Si je clique dans Édition audio, vous voyez qu'il n'apparaît pas. Alors ce que l'on va faire... On va faire un clic droit ici sur sax. On va faire piste, action. Et on va faire sauvegarder la piste comme fichier AIFF ou WAVE. Donc là, vous donnez un endroit. Je vais appeler ça sax solo. Je vais maintenant importer ce fichier. Donc on va aller dans Fichier, Importer, Importer audio. Et je vais choisir ce sax solo. Je vais faire OK. Donc il se trouve maintenant ici sur Audio. Je peux mettre en solo. Très bien, alors ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir l'édition audio. Mon fichier se trouve ici. Alors il va être important pour que ça marche bien de plutôt choisir un fichier audio monophonique. J'entends par là c'est un instrument qui doit jouer note à note. Ce n'est pas un instrument qui joue des accords, par exemple, comme une guitare. Là, ça marchera beaucoup mieux comme cela. Alors, qu'est-ce que l'harmonie ? Eh bien, c'est le fait d'avoir un instrument.
Encore une fois, le rendu audio aurait pu être bien meilleur si j'avais pensé à mettre ma réverb à zéro lors de ma première exportation de ma mélodie. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape d'export audio. Vous pouvez importer votre propre fichier audio d'une voix, d'une guitare, d'un saxophone également, de tout type d'instrument solo. Nous verrons d'autres utilisations de cette harmonisation dans d'autres vidéos. Autre nouveauté de Band in a Box 2018, c'est le piano roll qui a été grandement amélioré. Alors le piano roll va nous permettre l'édition, on va dire graphique, eh bien par exemple de la durée des notes, de la position dans le temps, de la hauteur de notes également. On aura aussi la possibilité de régler la vélocité, c'est-à-dire la force ou la rapidité avec laquelle les notes sont jouées, mais aussi d'éditer les contrôleurs, des changements de programme, l'aftertouch par canal, les pitch bends également. Donc là, j'ai ma piste de sax et dans l'onglet Vue ici, on a le piano roll. Donc on clique et il s'ouvre. Donc ici, avec l'ascenseur, hein, on peut naviguer dans ce piano roll. On a tout en haut à gauche, eh bien, les pistes. Tout simplement, là, je vais afficher le piano roll pour ma basse. Ici, pour l'orgue. Ici, pour la batterie. Et le G pour la guitare, le S pour le sax, le E pour l'électrique piano et le P pour le piano soliste. Donc par exemple, si je prends l'électrique piano que je vais mettre en solo, bien sûr, si vous avez d'autres types d'instruments, ils seront référencés ici. Alors je pense par exemple à la lettre H pour l'harmonica, la lettre F pour flûte, etc. Sur la droite, ici, on a la fonction snap. Alors, snap, on peut le traduire par magnétisme. Donc, le magnétisme à la grille. Qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez qu'il est sur none. Si je prends une note, ici, je peux la déplacer. Mais vous voyez que je peux la déplacer librement sur ma grille. Je n'ai pas de magnétisme. Si je viens ici, vous voyez que j'ai des valeurs de notes. Une ronde pointée, donc 6 temps. Une ronde, 4 temps. Une ronde ternaire, une blanche pointée, une blanche tête d'événement. Ceci par exemple. Hop. Nous avons également, hein, comme vous avez pu l'apercevoir, quand on sélectionne une note et qu'on fait un clic droit, eh bien, on a plusieurs possibilités. Donc, annuler, ces fameux commandes Z, hein, pour supprimer la dernière opération qu'on vient de faire. On a supprimé les événements choisis. Voilà. Donc là, je fais commande Z, hop, ça fait revenir ma note. On a sélectionné les notes et les événements graphiques sur tous les canaux. Là, on sélectionne tout. On clique où il n'y a rien pour tout désélectionner. On va avoir sélectionné toutes les notes sur tous les canaux. Donc là, c'est uniquement les notes, c'est pas les données ici graphiques. On peut couper. On peut couper. Commande Z. On peut copier. Donc là, j'ai copié cette note. Je me place ici. Je fais un clic droit. Et je fais coller, ajouter. Je fais un commande Z. Je peux faire aussi coller, remplacer. On peut rediriger tous les événements sur le canal de la piste. Donc là, ça a tout remis sur mon canal de ma piste. Et on a enfin redirigé les événements sélectionnés vers le canal de la piste. Éliminer les notes se chevauchant, ça on l'a vu. Et annule le menu contextuel ici.
J'aimerais vous parler maintenant de l'interface Homme-Machine améliorée dans Band in a Box 2018. Pour ce faire, tout simplement, on va aller dans les préférences et on a ici options d'affichage. Alors, on a vu au tout début du tutoriel comment mettre des couleurs à la barre ici en haut, la barre d'outils, que ce soit fichier, vue, outils, piste, etc. Donc je vous le rappelle, hein, on fait choisir habillage et on choisit couleur de la barre d'outils plein écran. Mais vous voyez qu'on a plein d'autres paramètres. Ici, on va pouvoir vraiment se faire une interface comme on le souhaite. Donc il y a bien par exemple la fenêtre arrière-plan. On peut changer la couleur si on veut un vert. Voilà. On va pouvoir changer la couleur des cellules, par exemple. Là, on va pouvoir changer le texte. On va pouvoir changer les cellules sélectionnées, etc. etc. Je ne vais pas tous les faire. Après, c'est vraiment selon votre goût. On a également hein, les polices du mixeur que l'on peut changer ici, ça c'est assez intéressant. Et puis on a tout un tas d'options, bien sûr, comme utiliser les gradients ou pas. Vous voyez ici par exemple le gradient bleu. Dessiner les bordures des part markers. Voilà, afficher le numéro des mesures, toujours, jamais. Aller à part marker et aller à nouvelle colonne. Mettre. Nous retrouvons dans Biab 2018 un mixeur amélioré. Alors pour accéder au mixeur, on va cliquer ici. C'est une fenêtre flottante. Par exemple, si je mets un instrument solo, donc vous voyez que j'ai du bleu pour les autres pistes qui sont mutées. Et bien si je veux par exemple supprimer le solo et démuter la batterie, je peux faire un clic droit. Et vous voyez que ça enlève le solo du sax, mais ça enlève le mute de la batterie. Donc là maintenant je vais pouvoir écouter les deux instruments en même temps, ce qui est assez pratique. Si je mets ma batterie en solo, et bien je vais pouvoir faire un clic droit sur ma basse, hop, elle est... Biab 2018 supporte maintenant le format de notation ABC. Alors moi je vous avoue que personnellement ce n'est pas un format que j'utilise, mais sachez que Biab 2018 permet de charger eh bien, des fichiers de notation ABC et même de les sauvegarder. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur ce site abcnotation.com où eh bien, vous allez pouvoir apprendre à débuter. Par exemple, hein, on voit ici ce qu'un fichier ABC donne. Et une fois chargé dans Biab 2018, il affichera cela. Alors pour ce faire, hein, dans Biab 2018, c'est tout simple. Une fois que vous avez fait votre morceau, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Nous avons droit dans Biab 2018 à des améliorations du chercheur de titres. Alors déjà, pour trouver la fenêtre du chercheur de titres, eh bien c'est tout simple, on va ouvrir le Style Picker. Voilà ici. Et tout en haut à droite, on a Trouver titre. Donc on a cette fenêtre de chercheur de titres. Alors il faut savoir que Biab a rajouté plus de 2000 nouveaux titres, dont ceux réclamés par de nombreux utilisateurs, ce qui donnera au total plus de 10 000 titres. Alors, on va pouvoir maintenant filtrer la liste par genre, par signature temporelle, par fil, par tempo et par date. On a les genres ici. On a la signature temporelle. On a les grooves. Les tempos. Et même
les décennies. Et on va pouvoir obtenir eh bien, des titres de morceaux qui vont bien fonctionner avec le style pardon, que vous avez choisi. Par exemple, si je veux la country, je veux que ce soit uniquement en 4-4, je veux un groove à la double, un tempo à 85. Et bien là, vous voyez que j'ai les titres de morceaux qui vont parfaitement correspondre au style choisi. Alors si en plus je tape dans la recherche ici, et bien balade, là j'ai plus que 72 éléments dans la liste, donc vous voyez que les filtres sont très performants. Et bien par exemple, si je veux aller ce titre là, eh bien, Bandinobox 2018 va m'aider à trouver un style assorti en cliquant ici sur OK, trouver les styles assortis. Et là maintenant, j'ai tous les styles correspondants à ma recherche. Pour ce qui concerne le rendu des fichiers audio, on a des nouveaux dialogues, donc avec un look, on va dire, plus épuré et qui est plus facile à utiliser. Alors, on accède à ce nouveau rendu de fichiers via le bouton ici Wave dans Fichier. On retrouve le format, donc AIF c'est le format audio correspondant au Wave mais sur Mac. Donc on a le point Wave et le point M4A. On va avoir les canaux, donc soit de façon automatique, soit stéréo, soit mono. Si auto est sélectionné, eh bien les pistes individuelles seront converties soit en mono, soit en stéréo selon la source d'origine. Mais il est possible. Dans Biab 2018, nous avons la possibilité d'avoir une liste rapide des real drums. Donc tout simplement, on va aller sur batterie ici, on va faire un clic droit et on va avoir liste rapide real drum. Là, cette fenêtre s'ouvre que l'on peut redimensionner. Et bien, ça a fonctionné là pareil par filtre. Hein. On a les genres ici. Donc si je veux par exemple du pop rock, on va avoir la signature rythmique en 4-4. On peut avoir le groove, si je veux, à la double. Et on peut même choisir un tempo, le tempo du thème en cours. Et là, eh bien, maintenant, j'ai mes real drums. Il suffit de double-cliquer pour les pré-écouter. La fenêtre d'édition audio a été bien améliorée. Alors, j'ai chargé une piste de drums en audio ici. Je vous rappelle, il faut aller dans Vue et cliquer sur Édition audio. Donc là, j'ai ma piste audio de batterie. Premier changement, avant on était obligé de faire une sélection pour faire de l'édition audio. Et si on voulait tout sélectionner, il fallait partir du début et aller jusqu'à la fin du fichier. Là maintenant, si on sélectionne rien, ça sous-entend que tout le fichier va être sélectionné pour l'édition audio. Je peux dézoomer voilà, tout mon fichier comme ceci. Donc ça, c'est le premier point positif quand même, je trouve. Donc ici, en mode marqueur, on a soit l'assistant d'accord audio, soit les user tracks, soit aucun.
On va avoir dans le menu Edit eh bien, des ajouts qui ont été faits, comme par exemple coller mix. Eh bien, on va avoir le mixage de l'audio qui va se coller dans le presse-papier avec l'audio existant à la place de l'écraser, si vous voulez. Donc, il est possible de définir un pourcentage d'audio existant à conserver et de l'audio à coller et à mixer. On a également collé, inséré. Donc là, on va insérer l'audio du presse-papier à l'emplacement actuel au lieu d'écraser l'audio existant. C'est-à-dire que l'audio situé à droite du point d'insertion sera décalé pour faire de la place eh bien, au nouveau. Petite nouveauté sur l'afficheur guitare que l'on trouve dans le menu vue guitare. Je vais ouvrir eh bien, le piano ici et c'est la même nouveauté que pour la guitare, c'est-à-dire que je peux supprimer des notes directement. Donc j'ai le mi ici, si je clique sur la zone noire, ça le supprime. Une autre amélioration de BIAP 2018, c'est le fait de pouvoir ouvrir un fichier MIDI en un seul clic. Pour ce faire, on a un nouvel item au menu Fichier qui se trouve ici et c'est ouvrir un fichier MIDI sur la piste Mélodie. Et ça se fait tout simplement comme ceci. Enfin, nous avons des améliorations et nouveautés dans la fenêtre de notation. Et maintenant, BIAP 2018. Bienvenue dans le chapitre débutant concernant Band in a Box 2018 et je voudrais commencer par vous montrer eh bien, les aperçus instantanés. C'est-à-dire que dans le mixeur, ici par exemple, j'ai ma piste de basse, je vais faire un clic droit, je peux sélectionner une reel track et là, si je sélectionne une reel track et que je double-clique, j'ai l'aperçu instantané, qu'on appelle aussi la pré-écoute. Et avec ce bouton, je peux passer les instruments en solo. Regardons maintenant comment enregistrer de l'audio dans BIAB 2018. Alors, on peut enregistrer tout type d'instruments. Moi, je vais vous donner l'exemple avec une guitare. Ça peut être une basse, ça peut être du chant, ça peut être de l'harmonica, tout ce que vous voulez. Pour ce faire, il faut obligatoirement une chose, c'est avoir une carte son externe afin de réduire ce qu'on appelle la latence et puis d'avoir des drivers qui permettent de transformer aussi bien le micro avec une alimentation fantôme ou la guitare avec une haute impédance. Donc ça, vous en trouvez sur Internet. Et pas besoin de mettre 3 000 € sur une carte son externe. À partir de 80-100 € avec une seule entrée, ça peut suffire et ça ira très bien. Moi, j'utilise une Apollo Twin de chez UAD qui est une excellente carte son et qui vaut dans les 8 solos. Clic droit. J'ai rajouté un peu de reverb. Ok, donc là par exemple j'aurais dû rester en La 7, je suis passé en Mi, j'avais pas fait gaffe à ma grille. Mais vous voyez que c'est très très simple d'enregistrer de l'audio dans BIAB 2018.
J'aimerais maintenant vous parler de la fenêtre d'édition audio. Alors j'ai déjà abordé le sujet au début de la formation, mais je voudrais compléter certaines choses. Alors ce que je vais faire, je vais mettre en solo, et puis je vais aller dans Vue et cliquer sur édition audio. Donc là, j'ai ma forme d'onde correspondant à mon audio. Alors ce que l'on peut faire, hein, vous vous souvenez, c'est dézoomer, zoomer. Et alors, je vous l'avais pas dit, mais si vous avez un scroll sur votre souris d'ordinateur, eh bien on peut, avec le scroll de la souris, vous voyez, zoomer, dézoomer, c'est beaucoup plus simple, comme ceci. Alors, on peut se placer, hein, par exemple là, et je vais zoomer fortement. Également, je vous l'avais pas dit, mais à droite... Alors maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus de la grande fenêtre de piano. Alors attention, là, dans le menu, j'ai mis piano roll, c'est une erreur, hein, c'est la grande fenêtre de piano. Donc là, j'ai une grille avec un piano, j'ai les accords, je peux passer en notation, et je peux afficher ici la vue piano, la grande fenêtre piano. Alors ça nous renseigne sur pas mal de choses, hein. Vous voyez qu'on est en tonalité de mi bémol, et la piste affichée, c'est bien piano, le P ici. Et effectivement, les mi bémol, vous voyez, ce qu'on appelle la route key, la note de la tonalité, est bien entourée en rouge. Et puis ensuite, eh bien, j'ai les notes de ma gamme, Do, Ré, donc mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol. Donc quand je fais jouer ça, hein, bien sûr, je vais avoir l'affichage ici, mais aussi l'affichage sur le piano. Et vous voyez la clé de Fa, c'est-à-dire la main gauche en rouge et le reste en vert. On va aller dans les réglages ici. Vous voyez qu'on a ici réglage auto de l'étendue du clavier. Donc ça se base sur le morceau. Note grave C3, nombre d'octaves 4. Alors on peut venir changer ça. Pour ce faire, il faut décocher le réglage auto de l'étendue du clavier. Et là, si je veux... Avec Biab 2018, nous allons pouvoir générer des mélodies et des accords. Donc prenons d'abord le cas de vouloir générer une mélodie. Ici, j'ai une grille d'accords avec un style. Je vous fais écouter ça. Voilà, donc j'aimerais générer une mélodie à partir de ces accords. Alors, on peut voir que dans le mixeur, hein, on a une piste dédiée mélodie ici. Et pour générer une mélodie, on va aller dans piste. Et ici, vous voyez qu'on a mélodiste. Donc, je vais cliquer sur mélodiste et je vais décocher générer accord parce que je ne veux pas générer des accords, je veux générer une mélodie. Donc ici, par contre, c'est bien coché générer mélodie. Je vais également décocher permet changement de style parce que je veux garder le style de ma grille. Donc je décoche ça. Ici, je vais pouvoir créer ma mélodie avec différents styles et instruments. Et je pourrais prendre un sax soprano. Et maintenant, j'ai juste à cliquer sur OK. Bande in the box à charger. Ici, sur ma piste mélodie, le sax soprano. On peut afficher la notation, hein.
Dans Band in a Box 2018, nous allons pouvoir garder une liste de nos styles favoris. Et ça, c'est drôlement pratique, hein, parce que si on va dans le style picker, eh bien, on a énormément de styles. Imaginez 5405. Donc, dès qu'il y a un style que vous aimez beaucoup et que vous pensez vouloir réutiliser, on va pouvoir le sauvegarder dans nos favoris. Pour cela, on va... Une fonction qui est essentielle dans BIAP 2018, c'est l'assistant de clavier. En quoi cela consiste? Eh bien, tout simplement, quand vous allez charger un morceau et un style, eh bien, vous allez pouvoir dire à votre clavier maître MIDI, hein, moi j'ai un clavier maître MIDI. Donc ça, on a vu comment il fallait le configurer. Je vous rappelle, c'est dans les options, Core MIDI, choisir port. Et là, j'ai choisi mon clavier maître MIDI. Donc c'est pour ça que j'ai du son. Mais vous voyez, je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Sauf que ma grille, elle n'est pas en Do majeur. Hein, si on l'écoute, je vais régénérer tout ça. Si je joue ma gamme de Do, dans BIAP 2018, nous avons les fameuses real track, on les a vues, hein, c'est signifié en couleur verte. Je pourrais vouloir, par exemple, à la place de la real track de guitare 1, ici, faire un clic droit, et changer par une super track MIDI, donc ici. Donc là, je pourrais choisir un piano. Et là, j'ai mon quatuor à cordes. Parlons de la saisie des accords. Alors, je vous renvoie directement à cette page qui se trouve sur www.pgmusic.com/tutorial_chordlist.htm et vous avez la liste de tous les accords reconnus par Band in a Box. Donc si je veux Do majeur 7, faut que je tape maj 7, puis entrée. Si je veux Do mineur majeur 7, le tape comme ça, par exemple. Alors, on a bien sûr Do 6. On peut entrer. Ou Do mineur 7, bémol 5, par exemple. Bien sûr, les accords diminués en tapant dim. Alors là, je suis resté en Do, hein, mais ça pourrait être Fa 7, par exemple. Ou Fa 13 plus. Les accords suspendus aussi, donc Do sus 4 par exemple, ou Do sus 2, donc on tape Do 2. Alors si je tape BB, ben ça va faire Si bémol. Je peux taper Fa et puis dièse. Alors on peut également taper les degrés, hein. Si je tape 1, eh bien ça va être Do. Si je tape 2, ça va être Ré. Si je tape 3, ça va être Mi, Fa, Sol, Là et Si. Donc je pourrais taper 1M pour Do mineur par exemple, ou 2M7 pour Ré mineur 7, 3M7 pour Mi mineur 7. Parlons maintenant du count in et du métronome. Alors le count in, c'est le fameux pré-count, hein, c'est-à-dire que quand on fait play, on a
deux mesures, deux précomptes. 1, 2, 3, 4. Donc ça, on va pouvoir le changer dans les préférences de BIAB 2018. On a ici le décompte, donc type de décompte, soit décompte, soit un fil, un patron ou deux mesures de patron B par exemple. Donc si je fais un fil sous style. Dans BIAB 2018, nous allons pouvoir entrer des paroles du texte. Donc pour ce faire, il faut déjà se mettre en notation. On va venir cliquer sur le L ici. Et donc on a par ligne, paragraphe, entrée, fermée, texte secondaire, éditer. Donc là, vous voyez, j'ai mon texte ici sous forme de ligne. Je pourrais mettre sous forme de paragraphe. En paragraphe, entrée. On peut éditer. Donc là, on peut soit supprimer, soit ajouter, soit insérer, soit éditer. Donc là, on peut choisir le temps. Si je veux changer à 4. On voit bien ici, ça commence sur le quatrième temps de la deuxième mesure. On peut insérer. Là, ça a inséré ici. Hein. Allez, regardons comment entrer des notes, entrer de la notation. Donc, pour ce faire, on va dans Vue et Notation. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que nous avons trois modes. On a ce premier mode ici, donc c'est le mode de notation non éditable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir nos notes, mais pas les éditer. On va avoir la deuxième icône ici, donc c'est le mode notation, mais avec la possibilité de faire de l'édition, c'est-à-dire de changer les notes, d'en rajouter, etc. Et on a ici le mode staff role également, qui permet une édition particulière. Donc là, je vais me placer en mode d'édition, et j'ai un accord de Do, je voudrais rentrer un Do. Alors je vais venir me placer là et cliquer sur le Do. Et alors vous voyez que on a une longueur de ronde, c'est-à-dire 4 temps, liée à une blanche pointée. En fait, BIAB va définir la longueur, la durée de nos notes suivant la note suivante. Par exemple, si je rentre un Mi sur le deuxième temps ici, eh bien vous voyez que maintenant mon Do forcément ne dure qu'une noire, un temps. Pareil, si je veux rentrer un Sol sur le troisième temps, hop, mon Mi va durer un temps. Et puis si je veux rentrer de nouveau un Do sur le quatrième temps, voilà, donc là je vais avoir 4 noirs. Pareil ici, hein, si je veux rentrer, je sais pas moi, un Si, un La, un Fa, un Ré. Alors j'ai fait un Mi, commande Z, Ré, et puis ici, Do. Alors bien sûr, si je veux rentrer, je sais pas moi, un Fa dièse, eh bien je vais appuyer sur Shift, et ensuite, voilà, j'ai mon Fa dièse. Dans Bandinobox 2018, nous allons pouvoir sélectionner les meilleurs reel tracks à la place par exemple des MIDI tracks. Donc là j'ai une MIDI track, je fais un clic droit, je fais sélectionner reel track et on a ici sélectionné les meilleurs reel tracks. Alors soit tout, soit accord, soit soloiste. Je vais prendre accord et on va avoir les meilleurs reel tracks de guitare. Je peux faire OK, générer maintenant. Et là maintenant j'ai ma reel track. En guitare 2.
commençons maintenant le chapitre intermédiaire pour l'utilisation de Band in a Box 2018 et j'aimerais vous montrer comment copier en faisant glisser-déposer des marqueurs de part. Donc pour commencer, je vais écrire des accords, hein, Do, La mineur, Fa, Sol, Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Donc là, j'ai ces quatre mesures et vous voyez que j'ai ma part 1A ici. Et bien, si je veux copier toute cette part en dessous, tout simplement, je clique ici et je viens glisser déposer en dessous. Et vous voyez, ça a copié la part directement, sans avoir besoin, pardon, de retaper les accords. Alors après, on peut faire quelques changements si on le souhaite, hein, mais je peux copier ça à volonté. Alors, admettons que je vienne ici, je passe en part B et que je tape des accords, Mi mineur, Do. Allons dans Outils parce que j'aimerais vous parler de nouveau du générateur d'accords. On a vu déjà pas mal de fonctions, hein, comme choisir la fondamentale, avoir une basse ou pas, avoir des extensions. Voilà, on a ici toutes les extensions. On a le type de voicing, voicing ouvert, fermé ou position de la fondamentale. On a l'emplacement de notre accord. Donc, par exemple, à la mesure 29 sur le premier temps, on peut effacer l'accord. Passer à la cellule suivante, insérer l'accord, cliquer pour insérer l'accord. Très bien, on peut faire jouer l'accord. Mais je ne vous avais pas parlé de ce qu'on a ici en dessous, qui est plus théorique, nous allons dire. Donc là, si je me place en tonalité de Do, eh bien, je vais avoir les accords diatoniques, c'est-à-dire je vais avoir mon premier degré Do, mon deuxième degré qui va être Ré mineur, troisième degré Mi mineur, quatrième degré Fa, cinquième degré Sol, sixième degré La mineur, septième degré Si mineur 7 bémol 5. Donc ça, c'est, je dirais, les sept accords qui composent la tonalité de Do majeur. Alors, on peut enrichir cette suite d'accords en cliquant ici sur Jazz pour avoir le premier degré qui peut être donc Do majeur septième, le deuxième degré qui peut être Ré mineur septième, le troisième degré Mi mineur septième, le quatrième degré Fa majeur septième, le cinquième degré Sol septième, le sixième degré, La mineur septième, et le septième degré, Si mineur 7, bémol 5. Alors, quelle est la différence entre un accord majeur septième et un accord septième? Eh bien, dans l'accord majeur septième, on a la tierce qui est majeure et la septième qui est majeure. Dans un accord septième, on a la tierce qui est majeure, mais on a la septième qui est mineure. Alors, vous voyez qu'on a à droite des accords un petit point ici, on peut venir cliquer et on a accord majeur de Do, donc les triades, est composé des notes 1, 3, 5, c'est-à-dire fondamentale, tierce et quinte. En Do, ça fera Do, Mi, Sol. Mais on peut avoir un Do, basse, Mi, donc c'est tout simplement la triade de Do avec à la basse la tierce, donc c'est un renversement et c'est composé de 3, c'est-à-dire tierce, quinte, fondamentale, Mi, Sol, Do. On peut avoir Do, Bas, Sol, donc ça c'est le deuxième renversement avec Sol à la basse. On peut avoir Do, Bas, Si, troisième renversement, donc avec la septième majeure à la basse. Et on peut avoir Do, Bas, La, avec la sixte à la basse, c'est-à-dire le La. On a le Do majeur septième, donc qui est composé de la fondamentale, tierce, quinte et septième majeure, Do, Mi, Sol, Si. On peut avoir Do majeur 9, donc qui va être composé de fondamentale, tierce, quinte, septième, majeur et neuvième, donc la neuvième serrée. On peut avoir Do 6 aussi, fondamentale, tierce, quinte, sixte, Do, Mi, Sol, La. Et on a les accords sus, donc suspended, en suspens, avec la quarte ici, en suspens, donc Do, Fa, Sol. On peut avoir Do sus 2,
Donc là, on n'a pas de tierce et on remplace la tierce par la seconde, do, ré, sol. On peut avoir do à deux. Donc là, on garde la tierce, mais on rajoute la seconde. Donc do, ré, mi, sol. On peut avoir sol, basse, do. Donc qui est comme un accord majeur septième, mais sans la tierce. Donc on aura do, sol, si, ré. Et puis on peut avoir ré, basse, do. Donc là, comme un accord de Do en mode lydien, là c'est un peu plus compliqué, mais on va avoir Do, Ré, Fa dièse, La. Donc on peut substituer ces accords, hein, si je veux Do majeur, Do 6, pardon. Hop. Donc là j'ai mon accord de Do 6. Et après il en va de même pour le deuxième degré, Ré mineur 7. Donc les accords mineurs, mineur 7, mineur 9, mineur 11, etc. Voilà, toutes ces possibilités sont offertes. Ré mineur 9. Alors, en dessous des accords diatoniques, des 7 accords qui... Regardons maintenant l'utilisation de la fenêtre vidéo de Biab 2018. Je vais aller dans Vue, ici, et vous voyez qu'on a vidéo. Donc, on a rendu vidéo et vidéo player. Je vais choisir vidéo player. Donc là, on peut agrandir la fenêtre. Et ce qu'on peut faire, c'est ouvrir une vidéo. Alors, on peut choisir d'ouvrir une vidéo où il y aura l'image et l'audio. Ouvrir une piste vidéo depuis un fichier vidéo. Donc, la piste audio sera enlevée. Ou ouvrir une piste audio depuis un fichier vidéo. Donc là, c'est la vidéo qui sera enlevée. On peut également importer un fichier vidéo dans notre morceau. Importer une piste vidéo, donc sans l'audio, et une piste vidéo, mais sans la vidéo, juste l'audio de la vidéo. Donc moi, je vais faire ouvrir fichier vidéo. Et je vais prendre celle-ci. Alors vous voyez qu'on peut, il accepte les points .move, points .mp4, etc. Je vais choisir cette vidéo. Pas de nom de fichier a été modifié. Voulez-vous l'enregistrer? Non. La vidéo se charge. Donc là, on est en plein... J'aimerais maintenant vous parler de l'utilisation d'un séquenceur. Alors j'ai choisi GarageBand parce que c'est un séquenceur simple et gratuit quand on est sur Mac. Mais bien sûr, ce que je vais vous expliquer là pour GarageBand sera tout aussi efficace sur un autre séquenceur de votre choix. Et je vais vous montrer comment utiliser les SuperTrack MIDI. J'ai ouvert GarageBand ici avec un petit projet que j'ai commencé. Donc il y a une drums, basse, un synthé et puis un électrique piano. Alors ce que je vais faire, hein, je vais me mettre au tempo de mon projet dans Biab 2018. Donc ici, 95. Et puis je vais taper les accords de mon projet. Donc le premier accord, c'est un Do basse sol. Puis sur la deuxième mesure, un Fa basse la. Puis de nouveau un Do basse sol. Puis un sol. Voici ici. Maintenant, je vais utiliser eh bien, une super track. Pour ce faire, ben, je vais me mettre ici sur la guitare 2. Je vais faire un clic droit et je vais faire sélectionner, choisir une super track, pardon, pour cette piste. Donc, je voudrais rajouter un piano. Nous allons aussi pouvoir sauvegarder et enregistrer notre morceau en tant que vidéo. Alors ça, c'est très utile, hein, si vous êtes professeur de musique, par exemple, eh bien vous allez pouvoir de façon très simple créer une vidéo bien de votre grille en train de jouer. Et ça, c'est plutôt sympa pour vos élèves, par exemple. Ça peut aussi être également, si vous jouez sur scène, par exemple, eh bien, avoir en support vidéo votre grille qui défile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous allez voir, c'est très simple, hein. On va dans Fichier. On fait Sauvegarder sous.
Et ici, on va choisir « Sauvegarder comme vidéo », alors télécharger sur YouTube, etc. Nous pouvons également, dans BIAB 2018, eh bien, envoyer notre son, ou d'ailleurs ça peut être un style, une piste particulière, eh bien, en email, en pièce jointe à un email. Tout simplement, on va dans le menu « Sauver sous » et on a ici « Email, fichier, morceau ». Dans Bandinabox 2018, nous avons également...